Hello mes BG préférés, j'espère que vous allez bien. Hey, I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need that I. Hello, voilà, c'est Noël ce soir. Moi, je souhaite de joyeuses fêtes et joyeux Noël aux gens qui le fêtent. Donc voilà, de tout cœur, joyeuses fêtes à tout le monde. Voilà, j'ai mis mon petit bonnet de Père Noël. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mamma mia. J'ai eu beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses, beaucoup de choses dont je devais m'occuper de choses joyeuses. Enfin bref, c'est vrai que là, ça, là, je suis restée presque 2 semaines sans poster de vidéo. Il y a tellement de choses à faire. Bon, je vais pas rentrer dans les détails où vous saouler. Je voulais faire cette vidéo parce que, à l'aube, bien sûr, de notre nouvel an 2022. Voilà, mes chers BG, je voulais vous souhaiter encore plus de bonheur que ce que vous avez pu avoir cette année. Je vais l'enlever parce que, après, moi, je ne supporte pas trop les trucs sur les cheveux. Enfin, un petit peu, mais après. Voilà, je voulais quand même vous souhaiter le meilleur pour cette année qui allait bientôt arriver. Et bien sûr, si vous avez connu des choses difficiles, voilà, n'oubliez jamais que tout finit par passer avec le temps, la douleur en tout cas, les déceptions, etc. Et que chaque année est quand même une chance inouïe de pouvoir recommencer, retenter, ne jamais abandonner. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, échouer, c'est abandonner. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas échouer. Donc, essayez, tentez encore et encore. OK? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc pour l'année 2022. Il y a un trou. J'ai un trou. Voilà, que je vous souhaite à toutes et à tous de rencontrer l'amour, parce que c'est un des grands thèmes sur ma chaîne, quand même, de rencontrer l'amour, de pouvoir trouver une personne qui puisse vous faire rayonner. Mais vous devez rayonner avant. Attention, n'oubliez pas ça. Je voulais, un abonné m'a écrit l'autre jour, oui, tu as 184 vidéos et tu as toujours aussi peu, enfin, tu n'as pas explosé ton nombre d'abonnés. C'est vrai que j'en ai que quelques centaines, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais moi, je le fais, je n'attends rien en retour. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on s'abonne un peu plus à moi. Je ne vais pas vous raconter des cracks. Mais moi, je disais, si je peux toucher une, deux ou trois personnes, et je sais que cette année, j'en ai touché quelques-unes, faire prendre conscience à certaines personnes de certaines choses dans leur vie. Il y en a qui ont évolué. Donc, je suis en contact avec mes quelques abonnés et je suis heureuse d'avoir pu contribuer à des réflexions, à des changements de vie qui vont les rendre plus heureux, heureuses. Donc, même si c'est deux, trois personnes dans l'année, eh ben, je suis heureuse, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et oui, je continuerai mes vidéos parce que ça m'apporte aussi énormément à moi-même. Et tant que j'en aurai besoin moi-même, je continuerai et je continuerai aussi pour vous. Voilà mes BG. Je voulais vous dire ça avant de commencer. Donc, je vais vous parler de. Je voulais parler de quelque chose d'optimiste. Voilà, moi, je suis sûre que l'amour existe, je vous l'ai toujours dit. Et je voudrais que vous, mes BG, vous le trouviez pour 2022. Et j'ai bien réfléchi à la chose. Et c'est vrai que moi-même, avec vous, comme vous, hein, je faisais de la même erreur. C'est que souvent, on dit je cherche la bonne personne. Ou j'attends la bonne personne. Et ça, vous voyez, c'est un vrai blocage, en fait. C'est un vrai blocage de dire qu'on cherche la bonne personne. Parce qu'en fait, il n'y a pas, en vérité, il n'y a pas de bonne personne. Il y a des gens, c'est tout. Il y a des gens qu'on rencontre, avec qui on se lie d'amitié ou plus, qui on se synchronise parfois. En décidant de construire un bonheur à deux. Un lien, etc. Donc, il n'y a pas de bonnes personnes. Il n'y a que des gens qui se croisent, en fait. Ils se rencontrent. Et il faut qu'en fait, il faut se rappeler qu'il y a la personne et il y a le projet de vie. Parce que ça, c'est important. Je vous l'ai toujours dit. Il y a la personne et le projet de vie.
qu'on fait à deux, en fait, qu'on fait ensemble. Et ça, je vous avais dit que c'est un des critères, parce que j'aime pas dire le critère, parce que justement, je fais cette vidéo pour vous dire qu'il faut exploser les critères. Il faut plus parler de critères. Il ne doit plus y avoir de critères, parce que c'est un réel blocage. Parce que les critères, on met en place des critères pour justement trouver la bonne personne. Mais la bonne personne, ça n'existe pas. C'est un blocage. On l'aura jamais. C'est pour ça que ça craint de penser comme ça, parce qu'on se dit, parce qu'on finalement, on va soit finir seul, soit finir avec un amour de bas niveau où on est plan-plan, il n'y a pas de flamme dans les yeux, c'est nul, quoi. Donc, n'oubliez pas qu'il y a la personne et le projet de vie qu'on fait ensemble. C'est l'engagement ensemble, en fait, qui compte, de poser, si vous voulez, pierre après pierre, pour construire notre maisonnée d'amour, de bonheur, jour après jour, et des projets de vie ensemble. C'est ça qui est solide. C'est ça et qui fera que c'est la bonne personne, finalement. Et construire, voilà, jour après jour, pierre après pierre. Ceux qui parlent de bonnes personnes et qui posent justement des critères, ah, je veux qu'ils soient ça, je veux qu'ils fassent du sport, je veux qu'elles soient minces, je veux qu'elles soient actives, qu'elles gagnent beaucoup d'argent, je veux qu'ils gagnent beaucoup d'argent, je veux qu'ils soient cadres, je veux qu'ils aient une belle voiture, une belle maison, etc. Tous ces critères-là, souvent matériels, pourquoi on cherche ça? C'est parce qu'on a peur. C'est la peur, ça, c'est le mental, l'ego, bien sûr. Et donc on se dit, bon, pour me sécuriser, puisque je suis incapable, en fait, de me sécuriser toute seule, tout seul, parce que voilà, on n'est pas capable souvent de se sécuriser, à moins qu'on ait fait un travail sur soi, et bien on se dit, c'est l'autre qui va me l'apporter. Mais il faut qu'il ait ça, sinon, niette. Mais on empêche des relations sublimes, en fait, finalement. Et je me suis rendu compte que cela fut mon erreur pendant un certain temps. Donc, ceux qui parlent de bonnes personnes, ce sont des gens qui ont peur et qui mettent en place des critères. Voilà, tel critère rempli, donc c'est la bonne personne. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Ne soyez pas, en fait, mes BG, c'est ça que je veux vous dire. Ne soyez pas dans les critères, mais dans les valeurs. Les valeurs que la personne est là, que vous avez, ça, c'est important. Mais pas les critères, il faut qu'elle soit comme ci, qu'elle est ceci. Dans ses acquisitions, son physique, etc. Ça, vous allez être avec une personne comme ça, mais ça sera nul. Il n'y aura pas de flamme, quoi. Et n'oubliez pas, mes BG, je vous le souhaite pour cette année 2022 et pour toutes les autres, c'est que l'amour viendra toujours là où on ne s'y attend pas. Croyez-moi, l'amour vient toujours ben, là où on se dit non, je veux ça. C'est pour ça que je vous invite, mes BG, à changer vos habitudes. Il faut que vous ayez le courage, et ça, pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont ce courage, mais il faut se remuer, changer ses habitudes. Parce que quand on reste dans nos petites habitudes, bien plan plan là, et bien ça nous sécurise, notre zone de confort, ok, j'ai pas peur, je suis sécurisée, mais notre vie est nulle. J'ai chanté, j'ai viens de poster la chanson Ebam, Ebam de Mélissa Aziza. Elle est magnifique. Elle a été écrite par oh, voilà, j'ai perdu le nom. J'ai toujours des trous de mémoire, moi. Je mange plus de poisson. Et bref, bon, ça m'énerve quand je ne me rappelle pas d'un nom. Bref, c'est une chanson que je viens de poster. Ebam, 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 dans la poitrine. Je veux entendre ce cœur qui bat. La la la, la la la, la la la. Dans la poitrine. C'est une chanson, mais qui exprime exactement ce que je dis. Si vous êtes dans votre zone de sécurité, confort, habitude, voilà, vous l'avez trouvé la personne avec les critères que vous voulez. Bon, elle est dans le sport, je suis dans le sport. Elle est mince, je sais ce que je voulais. Elle gagne de l'argent, je ne veux pas quelqu'un qui ne travaille pas. Ou elle est à la maison, je veux quelqu'un qui ne travaille pas. Enfin bref, je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous avez tous ces critères. Et après, est-ce que votre cœur, il fait bam et bam? Vraiment. Vous n'êtes que dans l'habitude. Et c'est triste. Moi, je veux sentir mon cœur qui bat et je veux que vous sentiez aussi votre cœur qui bat. Le grand amour implique, pour moi, le grand amour, ça implique une liquidation
total, quoi. Tu liquides tout, tu rases, table rase. C'est pas, ouais, c'est bon, je négocie ça, un petit truc. Non, faut avoir le cran pour le vivre. C'est pas donné à tout le monde. Et voilà, après, tu as des couples, voilà, bah voilà. J'ai peur de changer mes habitudes. Je veux quelqu'un qui me ressemble, un clone, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire d'un clone de toi? Tu vas te faire chier, en fait. Et donc, tu prends pas de risque. T'as un amour de bas niveau, hein, comme je dis. Et juste un amour juste satisfaisant, habitude. Voilà, je suis habituée, j'ai fait ci avec elle, fait ci avec lui, etc. Voilà, mais c'est pas le véritable grand amour, l'explosion, quoi. Y a pas de flamme dans les yeux, c'est triste quand même. Donc moi, je vous souhaite surtout pas ça, hein, mes BG. Alors, il y en a qui restent là-dedans, et puis après, il y a le matériel et tout le délire, donc elles restent là-dedans jusqu'à leur mort. Et le cœur, et bam, il n'y a pas. Donc, sortez de vos habitudes, s'il vous plaît. Il y en a qui, voilà, ne soyez pas ce genre de personne qui cherche juste une personne, qui entre dans leur monde, qui a les critères qu'il faut, elle entre dans leur monde pour les rassurer un petit peu, parce que voilà, ils n'ont pas assez de... Ils sont pas rassurés par eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de se rassurer eux-mêmes. Voilà. Non, moi je veux, mes BG, que vous rayonniez. Rayonnez, brillez. Rayonnez votre lumière intérieure. Pour qu'elle se voie à l'extérieur. Et je vous promets que vous allez attirer l'amour, mais l'amour véritable. Et je sais de quoi je parle. Donc, vous n'attendez pas une personne comme ça, quoi. Ouais, j'attends une personne qui a les critères, quoi. Non, il faut que vous laissiez faire. Vous rencontrez quelqu'un, laissez faire. Et c'est vrai qu'on est tenté de se dire, ouais, mais on n'a pas trop ça en commun. Centre d'intérêt, bah, il faut un minimum. Hein, je vous ai déjà fait une vidéo. Mais soyez dans les valeurs plutôt que dans les critères. Les valeurs et les projets de vie ensemble, c'est ça qui compte. Et quand vous serez, quand vous allez laisser faire et ne plus attendre la bonne personne, eh ben, vous ne serez plus dans le mental, donc dans l'ego et la peur. Et si on se base que sur la personne qui répondra à nos critères, comme je vous disais en début de vidéo, eh ben, vous allez attendre, mes BG. Vous allez soit tomber sur des amours nuls, de bas niveau, de bas étage, de bas niveau. Voilà, vous serez là en sécurité, ok, mais et bam, il n'y a pas. Mais il faut se sentir vivre, putain, on n'a qu'une vie, merde. Il faut se sentir vivre. L'émotion, la passion, et c'est vrai qu'on a peur, moi-même, on a peur, mais il faut arriver à dépasser ça. Il faut laisser faire les choses, d'où l'importance super importante du lâcher prise, de lâcher prise, mes BG. Donc, si on attend que la bonne personne, comme je disais, soit on sera dans une solitude totale, soit des amours, voilà, nullissimes, quoi. Il n'y a rien d'éclatant. Et moi, je vous souhaite pour l'année 2022, mes chers BG, un amour éclatant. Un amour de diamant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera le punch nécessaire pour l'année 2022. Vraiment, n'abandonnez pas. Croyez toujours en l'amour. Croyez toujours en. Si vous ne croyez pas en Dieu, bah, croyez en Dieu. Et si vous croyez en l'univers, bah, voilà, si vous croyez pas en Dieu, en l'univers. Mais croyez-y. Il faut y croire vraiment. Et je suis sûre, mes BG, qui êtes seuls ou en couple, il faut avoir le courage ou en couple, mais il n'y a pas la flamme, il n'y a rien. Vous savez que vous êtes avec juste par sécurité. Il faut que cette année, vous ayez le courage et la force de vous lever pour vous. Pour votre bonheur, de vous battre pour votre bonheur. Forcément, vous allez faire du mal à une personne, mais en fait, vous allez faire du mal sur le coup. Mais avec le recul, cette personne même se rendra compte que vous lui avez fait du bien en vérité. Donc voilà, mais moi, je souhaite que l'amour entre dans votre vie, mais ne soyez plus dans les critères, mais les valeurs. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Joyeuses fêtes. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, la 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 la. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous, mes BG. Et n'oubliez pas, je souris à la vie et la vie me sourit. À bientôt.